Le chef du gouvernement burkinabé s'entretient ici avec le président de la République islamique d'Iran. C'est une audience accordée à la délégation burkinabé pour échanger de façon approfondie sur les différents points de coopération entre les deux pays. Ensemble, ils parcourent les domaines plausibles de coopération, notamment de l'agriculture à l'enseignement, en passant par le commerce, les mines, l'industrie et les transports. Le président iranien m'a assuré qu'il prendrait les mesures nécessaires pour que d'ici la fin de l'année, la compagnie aérienne d'Iran puisse venir au Burkina Faso. Vu que le Burkina Faso est un pays qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest, à partir du Burkina Faso, ils peuvent facilement aller dans les autres pays, prendre de la clientèle et reprendre la route de l'Orient. Ce sera le moyen pour rapprocher nos deux peuples. Voilà, pour que nos deux peuples apprennent à se connaître, pour mieux travailler ensemble. Et je voudrais aussi que les étudiants burkinabés apprennent à connaître les universités iraniennes qui sont compétentes. Et il paraît qu'il y a plus de 70 universités qui sont cotées au top des universités mondiales. Apollinaire Joachimson, qui est l'élève de Tambela, met également à profit cette audience pour aborder avec le président iranien les priorités de l'Alliance des États du Sahel AES. Notre objectif, c'est d'aller vers une confédération et plus vers une fédération. Ça réjouit le président iranien, qui a aussitôt donné des instructions afin que, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il y ait un seul responsable iranien qui va s'occuper des commissions mixtes de ces trois pays de l'AES pour éviter la bureaucratie et afin que les choses aillent plus rapidement. Donc vous voyez qu'ils ont déjà anticipé. Ils ont vu, n'est-ce pas, dans nos trois pays-là, beaucoup plus d'opportunités de coopération dans un grand ensemble, regroupant une plus grande population, plutôt que de façon fractionnée, chaque pays de son côté. À noter que l'audience se tient en marge des travaux du deuxième forum économique Iran-Afrique. Un forum qui regroupe des délégations venues des quatre coins d'Afrique, avec le Burkina Faso comme pays invité d'honneur 2024.